Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de plusieurs personnes. Il y a notre ami Natouné. Si vous voulez des cours, qu'est-ce que tu vends comme formation aujourd'hui? Je donne tes cours. Cours de formation? Ouais. Philo. Ouais. Skate. Ouais. Et patin à glace. Patin à glace? Ouais, cheval aussi. Ok. Voilà. Si vous avez besoin de toutes ces formations, Natouné, rajoutez-le sur Snap. Et il vous dira le prix. Combien c'est le prix après? Ça dépend. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Voilà, bon ben, c'est Natouné. Je suis en compagnie de notre ami Loubi. Te Loubite? Non, Loubi. T'es sûr? Non, il Loubite. Ok. Et on est en compagnie de Maxumichu. Le retour? Célibataire ou pas? Donc vous pouvez le rajouter sur Insta. Ouais. En fait, quand vous le voyez plus, c'est qu'il a une meuf. Voilà, et quand vous le voyez, c'est qu'il en a plus. Donc, si il y a des meufs célibataires dans le coin de quel âge à peu près? Non, mais ça va. Quel âge? C'est Tinder. Quel âge? 15-16 ans. Je suis mieux que Tinder, moi. 20 ans ou même. Attends, c'est pour ça que vous dites, c'est toujours là, en fait. Et donc, on est là pour quoi aujourd'hui? On est là pour cette tête de nœud à côté. Pourquoi tête de nœud? Mais parce que c'est à cause de toi qu'on a des problèmes, frérot. Je te rappelle que la semaine dernière, on s'est retrouvé à genoux avec un flingue sur la tempe. Ouais, mais je pensais pas que les mecs. Oui, tu pensais pas, mais tu te mets avec des meufs, frérot, elles traînent dans des quartiers pourris, c'est ouais. Des cafards. C'est. Aujourd'hui, pourquoi on fait cette vidéo? Le problème, c'est qu'en fait, le frère de la personne que vous avez vu, le frère de son ex, qui nous a menacé la semaine dernière, a vu les vidéos sur internet. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé Loubi et il a menacé de venir chez moi, parce que c'est moi qui l'ai pris la carte d'identité, et il a dit que s'il voyait une vidéo sur internet, qu'on voyait sa tête, il viendrait. Sauf que, comme vous l'avez vu, il est flouté, donc personne ne voit sa tête. Mais je pense que cette personne, en fait, a juste un prétexte pour chercher des problèmes et nous emmerder. Donc là, on va retourner chez moi, et puis on va se mettre en caméra cachée, on va prendre les devants cette fois. Et s'il arrive, les gars, parce qu'il t'a dit quoi au téléphone, qu'il allait venir? Ouais, qu'il allait nous tuer, qu'il nous allait voilà. Nous frapper, voilà. Que, tout ça. Et on a quelque chose à lui montrer, donc ça tombe bien qu'il vienne. Parce que comme ça, au moins, ben, on lui fera écouter, on lui montrera ce qu'on doit lui montrer. Parce que je crois qu'il n'est pas au courant de toute l'histoire, voilà. Petit aparté, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière et la première, on vous met un court extrait maintenant. T'es frappé, moi? Non. Les gars. Vous gazez, j'ai pas envie de vous gazer, allez. S'il te plaît, ça sert à rien. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Donc pour tous ceux qui veulent voir les vidéos en entière, la première et la deuxième partie, les liens sont en description. En attendant, on va vite retourner chez moi, on va attendre que le mec vienne et on va filmer tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère qu'elle va bien se passer. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à tout à l'heure pour une petite conclusion. Ciao. Ah, frère, je te le dis, on veut pas d'histoire, frérot. On veut pas d'histoire. Je te le dis de suite, on veut pas d'histoire. De quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as appelé? Qu'est-ce que je l'ai appelé? Je l'ai appelé. Tu vois ma tête sur Internet, c'est quoi? La tête. Est-ce qu'on voit ta tête? On a flouté. Mais tu comprends pas flouter? Je te dis quoi? Je te dis la vidéo, je veux pas la voir. Mais tu préférais qu'on aille voir les flics? Je sais pas, je comprends pas. Tu mets ta tête sur la base, je te retrouve. Pas ta tête? C'est là où tu habites. T'as vu? J'ai pris ta carte d'identité, j'ai pris en photo, donc réfléchis un peu. C'est très bien que si je voyais ta tête, j'allais venir chez toi. Et en plus, je regarde simple, je suis seul. Donc, tu te fais quoi? Je te bombe moi seul? Ou tu supprimes ta vidéo? Là, j'en parle plus. Mais je supprimerai pas la vidéo, frérot. Ouais, t'as fait quoi? Bah alors, tu savais quoi? Ouais, voilà, oui. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y. Attends, écoute. Regarde, tu veux nous mettre une balle dans la tête? C'est pas de problème. Juste écoute ça, frérot. Tu as vu ta soeur? Ouais. Ta soeur. Ta soeur, la dernière fois. Attends, s'il te plaît. On va te montrer un truc. Écoute juste ça. T'as vu ta soeur la dernière fois?
il a eu au téléphone ta soeur, elle a rappelé à la fin. Tiens, écoute. Écoute, c'est ta soeur. Tu entends ça là. Oui. Qu'est-ce que tu veux? La seule qui dit ça. Dis-moi, je suis KO, je suis fatigué, dis-moi. Ouais, j'ai vu ton frère, ouais. Bah alors quoi? Alors tu sais quoi, tu veux mettre une balle dans la tête? Y'a pas de soucis. Hein. Quelle proposition? Je t'écoute. C'est bon, tu arrives quoi? Tu montes dans la voiture, on va faire un truc. Mais tu veux quoi? Je comprends pas. Attends, c'est ma mère, c'est un truc de fou. Frérot, hein. Je veux bien. Tu vas rentrer chez moi, vas-y, vas-y. Tu vas rentrer chez moi, je ah, c'est un truc de fou. Non, ta c'est un truc de fou, frère. J'espère qu'il n'y a pas ta maison. Parce que là, ce que j'ai fait. Bon, c'est pas vous en remettre, c'est un truc de fou. C'est ma fille, vous avez. Hein, c'est l'épreuve, je comprends pas. Ta gueule! C'est bon frère, on t'a. T'as montré seul toi, c'est pas notre faute! Ta gueule! Ta gueule, comme maintenant! T'as mis. C'est un truc de fou. Mais partout là! Je sais pas ce qu'il va faire avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi là? Je comprends pas ce que tu veux qu'on fasse de plus là. Tu veux faire quoi de plus? Bah, on t'a tout montré, gros, on t'a tout montré, c'est bon. Hein. Mais ma parole, ça y est, tu veux faire quoi? Ça y est, frérot, ça y est, ramène-moi chez moi. Mais s'il te plaît, ramène-moi chez moi, frérot. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, qu'est-ce que tu as? C'est lui ou quoi? Arrête, qu'est-ce que tu as? Ah vas-y, c'est bon, t'es un fou gros. T'es fou. Ouais, j'en ai rien fait pour toi. Ouais. Moi là-bas, je suis même pas dans l'histoire. Bon, t'as bah, c'est mon pote. Eh ben maintenant, c'est toi maintenant. Maintenant, c'est les deux. Vous allez voir, si vous butez les deux, vous allez les comprendre. Alors qu'on arrive. Ferme ta gueule. C'est bon, le pisson. Je continue de le suivre, hein. Vas-y, continue. Accroche à toi. Tu nous amènes où encore là? Ta gueule, frère. Hein? Descends! Pourquoi? Descends! Descends! Avec moi. Je veux pas que tu m'adresses la parole. Arrête de parler depuis tout à l'heure, tu me rends fou dans la voiture. C'est bon? On fait quoi ici? Si je vous explique pas, à part faire. Allô? Qui l'appelle, frère? Ouais, je sais pas. Vas-y, viens. Viens. Tu appelles qui? Vas-y. Ah, ça s'appelle tes collègues pour qu'ils nous défoncent ou quoi, frérot? Moi, c'est pas la peine. Mais t'appelles qui? C'est qui, c'est ton ex? Ouais. Oh, wow. Dis la vérité, pourquoi tu manges? Il y a fait un registre. À cause de toi, tu pourrais. C'est le problème à moi, ça. Déjà, tu sais,
Malade. Comment ça il est malade? Pose la motion. Regarde Louis, c'est simple, tu portes pas plainte, c'est fini, ça y est, c'est bon. Ça, je vais pas porter plainte. Et on en reste là. Ouais. Tout ce que t'as fait. Alors que t'as les preuves. Oh Louis, c'est bon, Louis, c'est bon. Attends. Pourquoi lui, il est comprends pas. Je vais rentrer chez moi, ça y est, c'est bon les histoires là, Louis, c'est bon. Ouais, mais ça y est. Mais on peut discuter. On va en rester là. Ouais. C'est tout, genre, après ce que tu nous as fait, c'est tout. Bah oui, c'est tout, Louis, tu veux quoi? Tu veux quoi? Ah, tu peux pas le voyou, juste il n'y a pas d'excuse après tout ce que tu as fait. Tu viens devant chez moi, tu me fais remarquer. Tous mes voisins, tu m'as fait remarquer. Tu vis avec tes collègues à 4 ou à 5 devant chez moi. À cause de ça, en plus, tu nous braques avec un calibre dans la tempe. À cause de ta soeur, la grosse pute. Qu'est-ce que tu fais, frère? Tiens, fou. Louis, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Tiens-moi. Ça pose ici. Tu as tout filmé, frérot? Faut aller porter plainte là. Bah c'est bon, ça y est, c'est trop. Je t'ai dit de fermer ta gueule toi aussi. Tu vois ça, après tout ce qu'il nous a fait, maintenant il a la preuve, en plus il fait le voyou. Là, c'est bon. C'est quoi, on se fait marcher dessus? Nathan, accélère s'il te plaît, frérot. T'as sur la jambe, Vas-y, ferme toi, l'hôpital. Les gars, Nathan et tout, les gars. Maxime, Nathan, je vous fais venir. Non, mais les gars, c'est pas ça. Ce que je vous fais venir, exprès au cas où ça dégénère, les gars. Là, vous avez attendu trop longtemps. Je sais, les gars. Ça va ou pas, Louis? Ah non, ça va pas du tout. Quoi, t'as tarpé mal? Tarpé mal, j'ai jamais eu une douleur autant forte là, à la jambe là. T'as sur les secousses? Je crois qu'il m'a pété la jambe là, je crois. Arrête. À ce point? Je crois qu'il m'a pété la jambe, j'espère que ça va pas rester puni ça. Enfin, les gars, nous on se retrouve. Donc les gars, je vous mettrai la photo de la jambe à Loubi sur Instagram et je vous tiendrai au courant sur Instagram de l'évolution de sa jambe, savoir si elle est cassée, si elle n'est pas cassée, si elle est cassée, si c'est fait opérer, si c'est pas opéré. Je vous mettrai la photo tout ça de sa jambe. Donc si vous voulez avoir plus d'infos les gars, si vous voulez savoir l'état de sa jambe, on se donne rendez-vous sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste en bas et on vous donnera des nouvelles de Loubi, ok? Et voilà, si vous voulez lui envoyer des petits messages à Loubi aussi pour le soutenir, vous avez son Instagram, il s'affiche en bas maintenant. Là on va à l'hôpital et ça sert à rien qu'on continue à filmer. Voilà, une fois qu'on sera à l'hôpital, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc dès que la vidéo elle sort les gars, rendez-vous sur mon Instagram, cam-off-officiel, et on vous mettra des photos et des nouvelles de Loubi, ok? Grosse bise à tous les gars et faites attention à vous.